Bonjour chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, parce que la terre est ronde, on ne sait pas de quel côté vous vous trouvez au moment où vous suivez cette émission. Voilà, c'est un breaking news, c'est-à-dire une information en bref, mais c'est une alerte. Il y a un audio qui circule qui accuse Vital Kamerhe. Comme dans l'intitulé, un audio accuse Vital Kamerhe. Le président Félix Tshisekedi est en danger. Voilà, chers compatriotes, l'audio est en swahili, mais je vais commencer par vous expliquer ce qui est dit dans cet audio. Et après, je vais répéter la même explication pour ceux qui pourront entendre ça en swahili. Voilà l'explication de l'audio. De quoi s'agit-il? La personne anonyme qui parle dans cet audio parle d'abord d'Azarias Rouberoy qui s'est rendu aux États-Unis. Quand il s'est rendu aux États-Unis, il s'est entretenu avec les personnes pour lesquelles il se trouvait aux États-Unis. Ils ont tiré des conclusions. Après ces conclusions, ils se sont rendus en France. C'est-à-dire, soit lui, ou soit ces Américains-là, parce que là, dans l'audio, la personne parle des Bazungu, qui seraient partis en France. Alors, en France, ils n'ont pas su trouver quelle est la personne qui pouvait perpétrer un coup d'État à Kinshasa. Alors, ils se sont rendus au Rwanda. Au Rwanda, je pense qu'ils parlent souvent d'un certain Muzungu. Il s'agirait soit de quelqu'un de la des services secrets américains, de la CIA, ou de Anthony Blinken. Alors, Paul Kagame leur aurait dit que à Kinshasa, il ne voit pas d'autre personne que Kamerhe. Il a confiance en Kamerhe. Kamerhe peut réaliser ses tâches. Alors, après avoir contacté Kamerhe, Kamerhe aussi a contacté certaines personnes qui peuvent lui faire confiance et en qui il fait aussi confiance. Donc il a choisi des gens de l'Est avec une étiquette du Kasaï, c'est-à-dire Tony Kanku Shiku. Voilà, chers compatriotes, des anciens du père Perdé Boussa et Julien Paloukou.
un ancien rebelle. Voilà, alors ils se sont dit, nous allons faire semblant de créer des troubles, des divisions au sein de l'Union sacrée, mais comment est-ce que nous allons le faire? Eh bien, ils ont créé cette plateforme-là qu'ils ont appelée pour un Congo retrouvé. Et curieusement, pour un Congo retrouvé, il existe un livre écrit par Félix Tshisekedi qui est sorti le 8 décembre 2023, pendant la campagne électorale. Ce livre-là est vendu sur Amazon à 9,9 euros ou 10 dollars arrondis. Bon, et beaucoup de Congolais n'ont pas fait attention parce que c'était pendant la campagne électorale. Caméré va choisir ce nom-là, le nom du livre de Félix Tshisekedi pour un Congo retrouvé. Ben, il rajoute juste devant Pacte pour un Congo retrouvé. Vous voyez qu'il y a anguille sous roche. Alors, notre compatriote qui parle en swahili continue à parler. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, oui, je vous ai déjà dit que ils ont fait un semblant de créer le PCR pour qu'il y ait des troubles. Et ensuite, ils auraient consulté la SADC ou certaines personnes de la SADC pour pouvoir si certaines personnalités de la SADC pouvaient marcher avec eux. Ça n'aurait pas marché. Alors, il termine en disant ceci que si Tshisekedi dort, si Tshisekedi dort, Vital Kamerhe va le sacrifier. C'est pour ça que nous avons parlé dans nos émissions passées que Kamerhe, c'est un caméléon. Kamerhe a des accointances avec le Rwanda. Rappelez-vous des 30 vaches qu'il a offertes à James Kabarebe. Rappelez-vous, dès qu'il est sorti de la prison, il est parti à l'Est négocier pour un dialogue, pour en parler à Kinshasa, mais il s'est gêné parce que, bon, à Kinshasa, personne ne veut entendre parler du dialogue, c'est pour le peuple. Et puis, le Parlement avait considéré que ces gens-là sont des terroristes. Il y a eu un texte là-dessus, le texte a été voté et le président a juré que ces gens-là sont des terroristes. Il n'y aura jamais de dialogue, jamais, jamais. Alors la solution, c'est quoi? Les Américains ont décidé de faire un coup d'État ou de tuer Félix Tshisekedi. Alors l'heure n'est plus aux blagues. Il ne faut plus attendre, il ne faut plus attendre. Il faut passer vite à l'action, c'est-à-dire réunir les deux chambres du Parlement, obtenir le quitus et entrer en guerre avec le Rwanda. Sinon, nous allons perdre. Imaginez-vous si nous perdons le président Félix Tshisekedi, qui va le remplacer? Il y aura des troubles. Voilà, chers compatriotes, je vous fais écouter l'audio en swahili. Je vous ai déjà expliqué tout ce qu'ils sont en train de dire en swahili. Suivant. Sio kama biko bien bakinwa bakibaki mu distraction kama tu Kinshasa ba politisi tu na bakia mu distraction kamera na tapita watu wako masikio plan ilikuwa prepare iko ngufu sana kuko nani ule Azarias alikuwa alenda Amerika kwenda Amerika aliongea na watu wa Amerika kule pale bakuwa ya Amerika basha maliza plan yote bakiangalia hakuna ku execute le plan. Bale bazungu bakenda France, kutoka France banenda ulana na Rwanda. Après Rwanda, ule mkubwa wa kama ni secrétaire d'état américain anatoka Amerika, anaenda ulana na Kagame. Banauliza Kagame kama anaweza kutumikisha nani juu apige coup d'état Kinshasa. Bana kiangalia batatumikisha omwe batumikishe Kamere. Balitisha Kamere sur téléphone.
na après kumesha si telefone wakimtumia mtu kwa mule mule mkinchasa waliongea walifaa renio après kufaa renio njua wakifanya ile renio walifanya njua wakisema wanatafa sambla kufaa brade fere na chisekedi na watoshe majorite yabo après kushile majorite yabo wanafaa marenio wakwe na badepite na bapolitisi watakuwa nyuma haki na basha nza fanyisha na marenio na basoda mule mule mkinchasa hiko saba natafuta watu ya este na batu ya kule ngambo ya kule ku weste ndio bikameri kwa tafuta create trouble mwa ya nguvu me na mwa ba soda ba sadiki ba ntafa gisi balifanya ka gisi balifalo rande zile kabila ndio gisi ile gram kiko nasema donc kama kisekedi analala tu kidogo kamera tamulambula ndio problem yenye iko ile amepima kutufasiria na tufasiria mimi anasema tuombe Mungu sana juu antukae hewa haiko bie kamera iko na kopi nyamepata na aliona hata katala kope na waliona hakuna tretre mwingine mbanza tumikisha omwe kamera na juu kuna ka influence moja hivi njoo maana wanamtumikisha me kamera haiko tena kubia Tshisekedi sani sata la mula Tshisekedi iwe sumu iwe coup d'etat iwe nini yote anataka tumikisha me ni kope yamepata ni ya ba Amerika na wanasema wanataka bifanya na election hayapita mu Amerika ndio kope yenye iko hivi na kanisi boyoki binoboko cher compatriote ba oyo bazali koyoka kiswahili te donc boko kiko ciblé les mots clés bon na kanisi yete ba congolais en majorité donc baloba kamno komo kote bon en général ba congolais ba koyé ba sur les quatre langues à part langue naïe peut-être une langue de plus deux langues de plus et certains comme moi trois langues de plus j'entends toutes les quatre langues je peux les bricoler à un certain niveau certaines très bien certains autres moins mais je peux parler et comprendre voilà donc ce qui bolandi bamo clé Azarias États-Unis France Rwanda Kagame donc vous pouvez à peu près comprendre mais na explica kibino déjà dans l'introduction l'essentiel oui zaliwana donc à ceux qui s'y alobi kopo yo kamer vital kamera zango mikolo yangoana ezali kopi ya koboma président de la république soit ya kosala coup d'état donc aebi penza ndenge kosale mate mais ezali programme wana ezali alobi ete il faut esalema avant ba élection oh, il y a novembre pour ba démocrate bazali ko risquer kozala na gouvernement parce que makambwana eza makambya surtout ba démocrate oya ko finance saka Paul Kagame ko soutenir yé pour na ko combattre biso donc pour na ko sukisa nazali ko tie la bino preuve à l'appui oye leki na mweso na bitumba oya l'est contre les M23 RDF bakangi ba mercenaires américains bazali na maboko ya bawazalen de FARDC na moment oyo mais bakuti na bavalise na bango ou na bamalete na bango bakuti ba carte ya plan oyo balakisa kibiso na télévision moko bazali koloba na kinya Rwanda ezali Rwanda up to date oui quelque chose comme ça oui c'est une chaîne rwandaise ça parle en kinya Rwanda. C'est cette chaîne-là qui nous a montré la carte que Corneille Nangaa avait négociée avec le Rwanda. On trouve la même carte avec les mercenaires américains du Texas. Voilà, suivez un peu
cet audio-là, ça vient confirmer la thèse du coup d'État. Bonsoir à tout le monde. Écoutons ensemble ce vocal et ensemble faisons une réflexion collective. Je veux que le monde entier écoute ce vocal. Je demande à tous les Africains qui vont recevoir cette vidéo de la faire tourner dans tout le monde entier. Écoutons l'ensemble. Bonsoir, monsieur Konaré. Comme je l'avais dit, et donc comme initialement j'ai dit dans le précédent audio, je voulais encore m'adresser auprès de vous étant une voix qui doit normalement ventiler notre souffrance sur toute l'étendue de la planète. Je voulais bien vous dire que les forces d'autodéfense populaire de la République démocratique du Congo venaient de capturer deux autres mercenaires américains idiots sur la ligne de bataille qui combattaient en faveur de cette organisation criminelle appelée M23, décimant les autochtones congolais dans leur village en détruisant le Congo à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Konaré, quiconque cherche à nous écouter, il doit ou ils doivent dire à l'État criminel rwandais de mettre fin à cette invasion criminelle, lâche et hypocrite. Également, nous nous adressons aux Américains, Britanniques et Français de cesser de soutenir l'État criminel rwandais et ougandais dans la destruction globale du Congo, car beaucoup en dépendra sur le plan régional et continental avec des alliés de taille et conscients du problème du Congo et de l'Afrique en général. Sans cesse, nous sommes obligés de vous répéter qu'en trois décennies, la coalition criminelle occidentale a autorisé aux groupes criminels des nilotiques régionaux de décimer plus de 18 millions de Congolais et détruit totalement le Congo vers l'est de la République démocratique du Congo, à la tête Paul Kagame. Et donc, nous nous adressons à vous, vous communément appelées les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre et la France, soupçonnés d'être à l'origine du serveur criminel rwandais qui vous soutenait pour faire effondrer toute la région des Grands Lacs et particulièrement les Congo. Pour votre information, chers amis, nous avons découvert des documents dans l'une des valises de vos mercenaires américains capturés dans les rangs de M23 et donc cette organisation criminelle communément appelée M23, des cartes et des textes bien écrits, bien conçus d'un plan de balkanisation du Congo appelé la Diagonale Tutsi. Un plan qui doit partir du Grand Kivu et qui prendra toute la région pour mieux protéger l'empile de la Diagonale Tutsi à la tête Paul Kagame pour justifier sa légitimité dans la région en tant qu'agent choisi par la CIA. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, très cher Konaré. Et donc, tous les États africains seront infectés par cette épidémie de la Diagonale Tutsi au profit de l'occupant qui n'est autre que les impérialistes et leurs instruments déployés dans la région à travers l'ONU, appelée OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, pas plus que 5 ou 6 jours, nous avions calciné des mercenaires américains, canadiens, également sur la ligne de front. Et aujourd'hui, nous venons de capturer des mercenaires idiots américains et sur eux, il y avait toute une documentation de la balkanisation du Congo. Écoutez bien. Voilà un peu les gens qui sont en train de féliciter les élections en RDC
pendant qu'ils se sentaient qui détruisent le Congo. Et alors, où vont les gens qui sont élus à la tête du Congo et qui acceptent des remerciements satiriques venant de l'Occident? Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes à 122 millions d'habitants. Si nous allons nous mobiliser tous pour normalement mettre fin à cette idiotie barbarie qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, nous risquons d'aller en dehors de nos frontières et ça sera une tragédie. Et donc nous disons aux Américains, aux Britanniques et aux Français de cesser de supporter l'état criminel rwandais sans pour autant parler des citoyens rwandais parce qu'ils sont victimes innocentes. Voilà un peu dans ce que nous sommes aujourd'hui, très chers Konaré, que toute l'Afrique se mobilise pour mettre fin à cette barbarie des groupes de nilotiques régionaux qui prend toute la région en otage avec une vision d'effondrer le continent africain. Bon, je crois que vous avez tous écouté le message. Je suis en contact permanent avec nos frères de la résistance congolaise et à peine les documents vont m'arriver, je les rendrai publics et nous allons monter au créneau. Je vais envoyer le document à tous les gouvernements européens et à toutes les grandes puissances pour que les gens sachent exactement ce qui se passe au Congo. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est partager ce vocal-là, parce que nos frères sur le front au Congo sont en train de verser le sang, sont en train de faire des sacrifices pour maintenir l'intégrité territoriale du Congo et de tout le bassin des Grands Lacs. Je m'arrête là pour ce soir, et je demande à toute l'Afrique de faire une réflexion collective. Je m'excuse auprès des frères burkinabés, je n'ai pas pu participer à la réunion. Voici les raisons pour lesquelles, parce qu'il y a des émergences, pendant que l'Afrique est attaquée, pendant que l'Afrique est agressée, pendant que l'humanité est agressée, une bonne partie de l'humanité ne se rend pas compte qu'il y a un gouvernement central, ce que j'appelle les marchands de la monnaie et de la dette, les marchands de la mort, qui sont en train de semer le chaos et la stratégie de tension sur toute la planète. Bonne soirée à tout le monde. Les prochaines heures, je prendrai la parole pour parler de la situation en Afrique de l'Ouest, principalement au Niger et au Burkina. Bonne soirée. Voilà, chers compatriotes, Tango yo, ezali tango, yakola la disusute. Ba autorité yamboka. Bo yoki binomoko. Bo yebi yango déjà. Bo yebi ke bakanga ki ba mercenaire. Na mweso. Ben, mercenaires américains et canadiens. L'Occident est contre nous. Pour eux, aucun pays d'Afrique ne peut devenir souverain ni se développer. Pour eux, ils ont leur slogan. Pour que l'Amérique soit toujours puissante, que ceux qui sont pauvres restent pauvres. Surtout les pays d'Afrique. Voilà, l'heure n'est plus au sommet. Ne dormez pas, nous ne voulons pas des premiers ministres qui dorment ni un président qui dort. Nous voulons un président qui agisse et qui parle, comme nous l'avons vu sur Top Congo. Il était en colère, il était prêt à attaquer le Rwanda. Nous avons vu ce président-là, nous avons découvert un nouveau président et cela doit être ainsi. Bon, pour finir, je suis contre la lettre des chefs coutumiers Kasaïens central, du Kasaï central, je veux dire, ou Kasaïens centraux, bon, est-ce que ça se dit, je sais pas. Alors, moi-même, je suis du Kasaï central, mais il ne faut pas vraiment un président de la République Kasaïen, puis un premier ministre Kasaïen, mais non! Kasaï central, Kasaï oriental, le Sankourou, le Kasaï tout court. C'est le Kasaï, un point, un trait. Voilà, chers compatriotes, on me dira le Kasaï central, ce n'est pas le Kasaï oriental. Et le président, il est qui?
c'est le fils de Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi wa Mulumba est né à Luluabourg. Il est né à Luluabourg, qu'on appelle aujourd'hui Kananga. D'ailleurs, le nom de Luluabourg devait rester ainsi. Je ne sais pas pourquoi on l'a changé, ou c'est parce que c'est les Belges qui ont appelé ça comme ça. Luluabourg, ça veut dire le bourg de la Lulua, parce que c'est la rivière qui passe par là. Le bourg de la rivière Lulua. Vous savez que la ville de Luluabourg se trouvait de l'autre côté, s'appelait Malandji. Bon, on a abandonné le nom de Malandji parce que c'était un nom angolais. Ben, ça venait parce que les porteurs qui venaient avec l'explorateur Wisman, un Allemand, ils étaient au nombre de 400, ils sont venus de Malandji. En Angola, que les Portugais ont transformé en Malange. Cette ville-là, jusqu'aujourd'hui, s'appelle Malange. Alors, ils sont là, ils sont venus. Ils ont appelé cette place-là Malandji, et d'autres qui sont partis s'installer dans d'autres villages environnement. Ils ont appelé les villages où ils habitaient des noms d'Angola. Par exemple, Matamba, de la région de Matamba en Angola, où régnait la reine Njinga. Au XVIIe siècle, la reine Njinga, on l'appelle Rainha Njinga en Angola. Rainha de Matamba. Alors, c'était des porteurs de cette région-là qui sont venus jusque-là. Alors, on ne pouvait pas continuer. Mais la tradition, bon, les descendants, ils ont continué à appeler Luluabourg Malandji Wanshinga, Malandji des câbles, hein, les câbles électriques qui passent dans la ville, contrairement à l'autre Malandji de l'autre côté de la rivière Lulua, où il n'y avait pas des poteaux électriques. Hein. Donc, pour différencier les deux villes, ils ont dit l'autre, l'ancienne ville, c'est Malandji, tout court, et la nouvelle ville... c'était Malandjime Wanshin. Malandji électrifié. Voilà, chers compatriotes Luluabourg, je vais dire, Tshisekedi Étienne Wamulumba a grandi là-bas. A grandi là-bas. Si c'était comme en France aujourd'hui, il serait quelqu'un ordinaire de Luluabourg. Et même s'il est originaire du groupement Mupompa, non loin du lac Munkamba, même s'il est originaire de là, sa mère Marthe Kassalou, elle est kanangaise de Matamba, dont je viens vous parler aujourd'hui. Le chef coutumier de ce petit groupement là s'appelle Matamba, qui était à côté de Malandji, à cause des descendants des Angolais qui étaient là. C'est pour ça qu'on dit qu'elle serait descendante, elle aussi, de ses porteurs angolais qui sont venus avec l'explorateur Wisman. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ce que nous savons, qu'elle est kanangaise. Donc, il n'y a pas de problème s'il y a déjà eu des premiers ministres. Il y a déjà eu des premiers ministres. Tout ce qu'il raconte là, qu'il n'y a jamais eu de premiers ministres. Même s'il y a eu des premiers ministres en Kanangé à l'époque de Mobutu, mais c'était quand même des premiers ministres. Voilà. Un président Lubafone, un premier ministre Lubafone. Est-ce que vraiment les 60 chefs coutumiers, qui a signé ce document? Et qui a poussé ces chefs coutumiers à signer ce document? Réclamer des ministères, mais pas la primature quand même. Voilà, chers compatriotes, je m'arrête par là. Oui, j'avais dit nouvel en bref, mais bon. Voilà, c'était très important de parler de cette histoire du coup d'État que Vital Kamerhe est en train de préparer, du désordre dont il a eu la mission de fomenter. Faire attention à ça, il faut même
l'appeler au service de l'ANR, au service de la DEMIAP. Il faut l'interroger, il faut l'entendre, le surveiller. Il faut surveiller Vital Kamerhe. Voilà. Bon, je m'arrête là, sinon ça va se prolonger à longueur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.